Et je viens bonhomme. Dans une initiation, lorsqu'on commence, on va d'abord présenter un petit peu le matériel de golf. On va un petit peu présenter les différents outils avec lesquels on va travailler et on va partir à ce moment-là vers le practice et on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans le sac de golf avec les différents clubs et les différentes familles de clubs qu'on peut y trouver. Quand j'ai vu ma première balle voler dans les airs, j'étais vraiment fière de moi. Je me suis dit, ça y est, j'y arrive, quoi. Je suis presque une pro. Quand j'ai tapé la première balle, c'était pas trop ça, on va dire. Il faut s'habituer au mouvement, etc. Mais après 2-3, ça va plutôt bien et ça donne plutôt envie de continuer. Dans cette initiation, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que je me suis rendu compte que je pensais à autre chose, que je me détendais, que malgré tout, c'était quand même un peu plus sportif que ce que j'imaginais. Et donc, ouais, c'est une belle découverte à refaire. Une fois qu'elle rentre dedans, c'est la satisfaction totale. C'est le sentiment du devoir accompli. À la fin de l'initiation, beaucoup de personnes pensaient au début que le golf n'était pas fait pour eux et puis reviennent vers nous et nous demandent quand est-ce qu'est la prochaine initiation parce qu'ils n'ont envie qu'une seule chose, c'est de revenir et de pouvoir à nouveau s'essayer au golf.